told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. Ça va les petits bandits? C'est le début là? Ouais. Ah, salut les bandits! Comment vous allez bien? Bah ouais, quand on fait des vidéos, faut pas oublier de dire bonjour quand même. Bonjour les bandits. C'est la moindre des choses. Petite banane séchée. Julia, bonjour les bandits. Et Lucas? Coucou Lucas. Lucas qui raffole des bananes séchées. Ouais, il adore les bananes. Bon alors, aujourd'hui programme. Attention, oh, ça rigole pas. Sacré programme. Ouais. Nous allons encore au magasin. Parce que forcément, bah nous on peut pas trop stocker, du coup on essaye d'y aller un petit peu, pas tous les jours, mais on essaye d'y aller plusieurs fois dans la semaine pour avancer. Et donc là, nous retournons au magasin de bricolage et ça va dépoter du site. Bon, ça va dépoter et ça veut dire qu'on va bien avancer, puisque là nous allons acheter le lambris de la salle de bain, tout le nécessaire pour le chauffage, pour le tuyau de chauffage, nourrice raccord, des petites grilles d'aération pour le chauffage. On va acheter le papier peint pour les chambres des enfants, les toilettes, le couloir. Qu'est-ce qu'on va acheter d'autre? Les tasseaux, les chevrons et tout pour faire les lits des enfants. Pour fixer les petits tuyaux aussi. Ouais, pour fixer tout ça. Les raccords. En fait, pas mal de choses où on va pouvoir faire le toilette, la salle de bain, le couloir et les chambres des enfants. Viens, toi, les bananes. Et donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. On vous dit à tout à l'heure. Banane. Banane. Tu te détaches? Banane CC. Banane CC. On vous dit à tout à l'heure, nous on se dépêche et puis on fait de gros bisous et on vous montre tout la suite des travaux. Franchement, vous savez quoi? On doit cramer pas loin de 30 euros par semaine en gasoil juste pour les courses. 30 euros? 30-40 euros. C'est un truc de... Attends, parce que maman elle cadre plus là. Tu veux des bananes? Maintenant, t'as ton petit gâteau là. Mange déjà. Non, c'est mes gâteau. Bananes. Tu touches pas à mes bananes. Mange déjà ton petit gâteau là. Sinon, tu me donnes ton gâteau en échange. Et je te donne une rondelle de banane. Oh, c'est de l'arnaque ça, Julia. Fais attention. Ah, comment je t'arnaque? Bon, elle est contente. Non, tiens, j'en veux pas. Ça, c'est pas bizarre. Les bananes, c'est pas mieux, mais ça ressemble à un truc plus naturel qu'un gâteau. Allez, on y va. Ouais, c'est parti en route. On va bosser un peu là. Allez. Allez, à tout à l'heure. Allez, 3 heures après, on sort du magasin. Pourquoi tu souffles? Parce que ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. On dépense trop d'argent. J'en peux plus. Ah ouais, mais vous voyez, ça c'est les petites réglettes qui vont venir. C'est pareil, c'est du tuning, hein, on teste. Hein, qui vont venir protéger comme ça nos petits tuyaux aux collerettes. Et ça évitera, on va taper dans les réglettes et ça évitera de taper dans la petite collerette parce que c'est assez fragile. Et l'air pourra passer. Voilà, l'air chaud pourra passer. Je sais pas, toi ça te fait rien, non? Bah si, mais bon, on va pas le voler tout ça. Non, mais j'ai envie que ça s'arrête aussi parce que là. Ah bah ouais, il y a trop de dépenses. Hein. Oh là, mais c'est pas fini, c'est ça. Puis mais on a fait plus gros. Après, il y aura tous les billets. Et puis toutes les semaines, c'est des billets de 300 balles qui partent. Je me suis brûlée. Ouais, mais faut bien, tu ferais une maison, ça serait pareil. En pire. En pire. Pire. Ah bah bien sûr. C'est-à-dire que tu n'avais pas pensé. Bah ouais. Là tu viens de me remonter le moral. Là, ouais. Tu viens de me remonter le moral. C'est tout simplement ça. Tu lui as fait peur. Bon bah allez. Ouais, grave. Bon allez, on se motive quand même. Parce que là on a le lambris, les chevrons pour faire les lits. C'est bon, on a tout trouvé. Les chevrons qui vont servir à faire les lits. Pour faire l'encadrement du sommier en fait. Support du sommier. Et il nous manque plus que juste la porte de douche, mais là elle était extrêmement chère. Non, le plexiglas, 77 euros la plaque de plexi, non mais ça va. Et oh. Ouais, la plaque elle était extrêmement chère. On l'a vu 20 euros moins cher dans un autre magasin de bricolage, donc on verra pour l'acheter plus tard. Donc voilà.
Allez, on se met en route. Allez au taf. On retourne au bricolage. Il fait hyper chaud, je sais pas chez vous, mais là. Mais ça va, moi je commence à supporter de plus en plus à la chaleur. Il y a un petit peu de vent, ça va. Toi, j'ai mis environ 10 ans de supporter. Et là, en 2 semaines, j'arrive à supporter le soleil. C'est l'enfoiré, celui-là. C'est dingue. Non, mais lui, il est sérieux. Il vient me chercher, est-ce que j'ai été déposer le chariot? Il a oublié de remettre sa sangle. Ça va, t'as rien oublié? Ouais. Il y a ta sangle. Il y a ta sangle qui traîne par terre. Non mais sérieux lui. T'es pas sérieux? C'est bien gentil de venir me chercher, mais pense à ta sangle aussi. En ce moment, on pense à rien là. On fait que des conneries. Non, tu fais que des conneries, je pense. Ouais, bah ouais. Avec ceux qui font rien, qui peuvent pas faire de conneries. Voilà. Charlotte va commencer à installer le papier peint dans le toilette parce que moi, je pose mes nourrices direct derrière. Et je vais installer mes petits tuyaux. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble de près. Alors, donc, regardez. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ces petits tuyaux là qui vont disperser la chaleur. Il y aura 2 longueurs sur chaque pan de mur. Ça, c'est pour faire les U que j'ai gardé aussi. Ça, c'est pour faire les U. Bah, en fait, ça viendra là-bas, tout au bout. Et puis, au bout, j'ai des petits purgeurs. Donc ça, j'en ai 2, donc c'est impeccable. Ensuite, j'ai mes nourrices qui sont là. Je vais fabriquer mes nourrices. Voilà, vous aurez les nourrices qui vont arriver comme ça, avec mes petits raccords de robinet, pour fermer ou pas ce que je veux alimenter. Pour faire la jonction entre mes tubes, j'ai des tubes souples en silicone. Et pour faire la jonction entre les tubes souples en silicone et les tubes souples en silicone et mon multicouche, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, c'est en diamètre 20. J'ai acheté du multicouche en 20, des coudes en 20 pour le multicouche au cas où. Et ce qui me permet de repartir ici avec un embout femelle en multicouche, voilà, pour aller faire les virages là où j'ai pas besoin de chauffer. Donc avec ça, je suis paré. J'en ai pris 2 de chaque pour l'instant. Et si ça fonctionne bien, bah, faudra aller encore acheter des raccords. Et oui, acheter, toujours acheter. Voilà, je me mets au boulot et puis on finit ça ensemble. Regardez ce qu'on a reçu. Ah, la Fire TV Stick.
Alors, on l'a reçu tout à l'heure avec Amazon, là. Pour remplacer la Chromecast, on verra bien. On va essayer, on vous dira. On va essayer ce soir, déjà. Et puis, on vous dira, on vous tiendra au courant. Salut à tous, voilà, on se retrouve ce matin. J'ai été avec Théo faire les courses. J'ai du coup repris une multicouche en vin, parce que je vais pas en avoir assez. On a été du coup au magasin de bricolage où c'était moins cher, le gros magasin de bricolage, vous savez. Mais on est obligé de faire une petite heure de route pour y aller, mais bon, au moins c'est fait. Du coup, j'ai dû reprendre le truc pour ébavurer le tuyau. J'ai repris un ressort, donc maintenant je suis équipé. Hein. J'ai ressort en 20, ressort en 16, je peux faire de la pomperie, la pince à sertir avec tous les profils. Et puis j'ai pris énormément de petits raccords, je les ai payés 2,50€ moins cher quand même. J'en ai pris 20. Après ça, j'en ai pris une dizaine, des comme ça, des coudes. J'avais trouvé ça, donc ça c'est nickel, c'est pour mon tuyau qui est en train de s'écraser, je vais lui mettre un coude, ça c'est pour l'arrivée d'eau. Voilà, j'ai encore acheté pas mal de raccords, là j'espère que c'est bon, il faudra forcément racheter dans la semaine à venir, mais je pense plus beaucoup. Voilà, donc c'est ça qui est cool. Donc j'ai commencé à installer ma nourrice, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer le boulot que Charlotte elle a déjà abattu. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on est dans la chambre des enfants. Ça va, ça se passe bien? Salut. Alors, galère ou pas? C'est non la galère. C'est quoi qui est galère? Les prises, les petites découpes à la con quand t'as un cutter qui coupe pas, c'est trop bien. Ah non, je te remets une lame. Je te dis qu'il coupe pas, regarde, oh, ça mince. Fait des... Avec la colle en fait, ah, ça fait des... Il est humide. Ouais, et du coup ça va pas, ça coupe pas. Bah en tout cas, tu te débrouilles quand même pas donc trop c'est bien. C'est la galère. Bah pour une première, c'est la première fois de ma vie que je pose du papier peint. Je suis assez contente. Ouais. Bon, après, là, on a des tout petits défauts ici, mais bon, ça, c'est pas bien grave. On mettra de la colle s'il ça, faut. Ça, c'est pas moi, ça. Franchement, je m'en fiche complètement, moi. Regardez le toilette comme il est joli. Regardez-moi ça. Mais en séchant, ça enlève vachement les défauts. Voilà. Tac. Donc, on est super contents. Et dans les semaines à venir, il y aura une énorme surprise, une exclusivité au niveau du toilette. Mais ça, on vous en parlera en temps et en heure, si tout se passe bien. Hein, chouchou? Ouais. Voilà. Je suis assez contente. T'es contente, donc, hein? Ouais. Donc, voilà, on n'en dit pas plus. J'avais un truc à vous dire. Moi, hier, j'ai branché la Fire TV. C'est ça? Fire TV. La Fire TV de chez Amazon. Et on n'a pas de partenariat avec... Non, on n'a pas de partenariat. On l'a acheté, mais bon. Voilà, vous savez qu'on avait acheté la Chromecast et tout, puis ça m'avait gavé, il fallait deux téléphones, enfin, c'était super compliqué, quoi. Et là, j'ai payé ça 22€ en promotion sur Amazon, regardez. En plus, on a une petite télécommande, ça j'ai dit que j'allais vous en parler, donc du coup, je vous en parle. On a une petite télécommande, il y a un petit boîtier qui se met derrière la télé avec une alimentation comme la Chromecast, mais par contre, l'installation, c'est un jeu d'enfant. C'est super simple. Moi, j'ai et voilà, Charlotte, elle sait... Voilà, vous connectez à votre téléphone, comme si c'était une box, basta. C'est tout simple. Et on a accès à tout Amazon Prime, nous, on l'avait déjà. J'ai même réussi à aller sur Internet, sur des sites que j'allais sur. Donc, vous pouvez aller quasiment partout. Vous avez Molotov, tout ça, vous pouvez regarder voilà, les films. Là, Charlotte, elle s'est mis de la musique, je vous fais voir vite fait ce que ça donne. Et c'est vraiment... franchement, c'est vraiment nickel, quoi. Vous voyez, elle s'est mis un petit peu de musique, elle a choisi son genre, et voilà. Alors franchement, en un quart d'heure, c'était installé, et puis la petite télécommande super réactive, franchement, ça fonctionne super bien. Donc là, il n'y a pas de partenariat, mais quand c'est bien, faut le dire. Voilà, si vous êtes en camping-car, vous voulez pas vous emmerder avec des antennes, et que de temps en temps, vous voulez regarder les programmes qui vous font plaisir, vous pouvez acheter ce petit truc, vous le branchez sur votre télé, voilà, ça vous fait entre guillemets une télé connectée. Et franchement, c'est super. Voilà. Donc, je me remets à la plomberie, Charlotte finit son papier peint, et bah voilà, on va se retrouver dans quelques heures pour voir où on en est, quoi. À tout à l'heure. Eh hey chouchou, t'as vu la vidéo du Gaulois? Oui. Oh là 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 là, le carnage. Faut regarder ça si vous connaissez pas cette petite chaîne YouTube, le Gaulois et sa famille. Ils sont partis vivre un petit peu sur les routes pendant une petite année pour tester avec un vieux bus S53. Et là c'était le bordel, ils ont dû changer les pneus, enfin bref, regardez leur parce dernière vidéo. Ils ont éclaté un pneu, ouais. Ouais, ils ont éclaté un pneu, mais comme ils n'arrivaient plus à trouver les pneus, comme le véhicule est trop vieux, faut changer les jambes, puis ils ont essayé, puis en fait ça n'a pas marché avec la casse qui voulait refourguer les gens. Enfin voilà, allez jeter un œil sur leur dernière vidéo, famille les authentique, pauvres, naturelle, pleine d'amour, et voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de ceci, de blablabla, c'est vraiment authentique et moi, j'adore. Qu'est-ce que j'adore les suivre. Je regarde toutes leurs vidéos, ils en font quasiment une par jour là. Dans ce moment, ils n'arrêtent pas. Donc voilà, allez jeter un œil, vous allez voir. Franchement,
Ah, c'est trop bien, l'aventure est la vraie. C'est ça qui est cool. Ah, j'ai découpé mon aile, regardez. C'est ça ce que je vous parlais, les petits coffres. Voilà. Là, je suis obligé de découper parce que j'ai mes petits chiots qui vont arriver ici. Et qui vont repartir. Pile poil, j'ai juste 5 cm pour que ça arrive direct dans la chambre sans passer la cloison au niveau du moteur. Donc c'est cool. Et vous voyez, ben, là j'ai la place pour passer mes mains, pour aller ranger du bazar ou pour accéder à mes différents ustensiles qui seront rangés à cet endroit. Voilà. Donc là je finis de découper ça et ça sera impeccable. Là j'ai mon évacuation de douche qui est ici. Vous voyez, pour passer mes PVC, tout ça, ça va être nickel. Bon, ça y est, ça touche à sa fin. Je viens de finir le papier peint, je suis trop contente. Je suis assez fière de moi parce que j'ai jamais posé de papier peint de toute ma vie. Et franchement, j'adore. De toute ta vie? Ouais, de toute ma vie entière. De toute ta longue vie? Ouais. Donc en plus, les enfants, ils ont dit que c'était super chouette, qu'ils aimaient bien. Et puis, Jérém aussi, je pense. Ah ouais, moi, je suis super content. Non, non, franchement. Ah ouais, il est vachement. Non, là, je suis mort, je suis fatigué. Ouais, on est très fatigué. Je me rends vraiment pas compte en fait du boulot que t'as fait, mais c'est trop beau, regarde. C'est chouette. On a fait un petit papier peint imitation bois ici, bois un peu gris en fait. On va peut-être mieux voir ici. Vous voyez. Bon, après, il y a toutes les tous les côtés là, faut pas s'étonner hein, si c'est pas très bien fait. Jérém, il va repasser un petit coup de joint, un tout petit joint après. Voilà, heureusement, j'ai espèce de avec son joint. Ouais, c'est clair. Un joint un peu gris, en fait, vous savez, pour rester dans les tons. Un petit joint polymère gris, ouais. Il y a juste là, j'ai oublié, en fait, de couper les plastiques au ras, ici, là. Donc, je pense que demain, je vais faire ça pour que ça fasse ça. Alors, je sais pas si. Pour que ça donne un truc vraiment au ras, comme ça. Ça m'énerve à grincer, ça. Il faudra que je fasse un truc. Hein. Et donc, au final, il faut que je le fasse. Mais j'espère que je ne vais pas abîmer le papier peint. C'est ça, ça m'embêterait, en fait. Parce que quand j'ai fait là-bas, quand j'ai fait ici, j'ai un peu abîmé le bois. Mais vraiment, c'est léger. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas très. C'était pas très propre. Hein. J'espère qu'avec le papier peint, ça va aller. Mais tu sais, ce que tu pourras faire, c'est mettre un petit scotch papier. Ah, une, ouais. Une ou deux épaisseurs. Comme ça, au moins, tu esquimpes ton scotch et pas ton papier, quoi. Ouais, bah, je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, toujours les toilettes, faut que je fasse aussi ces pans de mur là aussi, du couloir. Mais là, il est quelle heure? Il est pas loin de 21h. Là, j'ai été prendre ma douche, j'ai été prendre la douche des petits, et là on va les faire à manger. Et je pense que la soirée elle va pas être finie. Jérém doit faire son montage. Et moi j'ai encore des commandes à fignoler. Voilà. Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Ben moi, j'ai à part fait tourner en rond. J'ai l'impression que j'ai pas fait grand chose. Ouais, c'est non, pas non, qu'une impression. Des conneries, c'est vrai. Bon, en fait, Jérém, il a passé beaucoup de temps à faire des allers-retours au magasin. La plomberie, c'est la merde. Ouais, à chaque fois, il y avait un raccord qui manquait. Ou alors, voir c'était quand pas même. Dans les bons raccords. Bah, voir bien quand sûr, même je ce vais... que j'ai fait. Les gens vont peut-être se dire, ouais, en fait, Jérém, ouais, t'as bossé, Jérém. Non, hein, il a fait plein de trucs. C'est chouette, Jérém. T'as posé deux tuyaux aujourd'hui. C'est génial. Allez, encouragez-le. Du coup, j'ai déporté ma nourrice ici. Donc, avant, elle était dans les toilettes. Et là, il l'a mise ici, donc ça, elle va se retrouver dans le coffre à jouer des petits. Et donc voilà, elle descend ça là. Ça pousse en haut, ça revient, ça retourne en bas. Et là, j'ai réussi elle à passer là. Sous la salle de bain. Et tu peux les faire voir sous le lit où je suis arrivé. Ouais, mais je sais pas si on va voir comme il fait noir. Si, on verra bien, on verra pas trop mal. Et je suis arrivé sous le lit, là, en fait. Voilà. Hop, là-bas, vous voyez. Donc, juste là, là. Hop. Donc ouais, percer des trous, aller chercher des raccords... J'avance, mais super lentement. Dès que je veux faire un truc, j'ai un obstacle. Bah, puis c'est vrai, j'avoue, les raccords, c'était un peu galère. Dès que je veux faire un truc, j'ai un obstacle. Mm. Alors, je mixe entre les raccords multicouches et les raccords... T'as plein de chocolat. C'est bon? Encore. Je sais pas si on l'a... Je pense pas qu'on l'ait vu, mais t'en avais pas mal. C'est bon. C'est bon. Alors, je mixe entre les raccords multicouches et puis les raccords, en, vous savez, en caoutchouc bleu, là... silicone. Des durites là, non, plus c'est pas des ça. Petits bouts de cuivre qui me restaient que j'avais récupéré. Je les découpe et je me fabrique des coudes et tout. J'ai pas mal de barres comme ça que j'ai gardées. Et en fait, je m'amuse à les découper. Oh, et puis je me fais des coudes. Tu vois, je me fais des petits coudes qui partent dans tous les sens. Mais c'est bien pratique quand même, du coup. Et je remets là après du tube en silicone. J'en avais gardé aussi. Donc j'ai encore plein de petits raccords. Et puis ceux-là, je les découpe. Et ça me fait des jonctions. Et j'ai l'impression, du coup, j'ai acheté trop de raccords multicouches.
Oui, bah tant pis. Hein. Bah ouais, mais ils ne serviront pas cette diamètre-là. Bah, ils serviront peut-être pour le voilier. Ah, peut-être. Donc voilà, en fait, le petit truc. J'espère demain réussir à passer la chambre, arriver ici dans le meuble, dans la toilette, dans la deuxième chambre, et, enfin dans la deuxième, voilà, deuxième chambre, redescendre et j'aimerais bien finir parce qu'en fait j'ai enlevé mes pompes à eau, surpresseur et tout, j'aimerais bien tout finir, quoi, que ça ne traîne pas dehors. Et demain on reçoit le chauffe-eau. Ouais. Demain on reçoit le chauffe-eau, on va c'est vous faire trop voir bien. Ça va être trop bien. Mmh. Vous allez voir ce que c'est un chauffe-eau marin pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, voilà. Ça va être trop bien et ça veut dire que peut-être que dans. Allez, à peu près 15 jours, on pourra se laver dans Captain. 3 semaines, ouais. Ouais, je pense. Là, c'est les pièces les plus chiantes hein, qu'on est en train de faire toujours pareil. Hein. Ouais. Moi, il faut là, que je pose le lambris, là. C'est ce qu'il y a plus long, les raccordements d'eau, parce qu'on a douche. Bon, du coup, on va créer les arrivées d'eau chaude et tout. Il y a douche, lavabo. Le chauffage. Ensuite, la cuisine, on met une cuisine aménagée. Hein. On fabrique, nous, les meubles hauts, c'est tout. Hein. Tout ce qui est ici, on a tout fait sur mesure. Après, tout ce qui est là, c'est on va tout poser. C'est le salon, après. Et le salon, les banquettes, c'est bidon ouais, c'est à faire. Bidon, ouais. Et voilà, si j'ai les deux coffres, il y a deux coffres à faire sur roulette ici, ça prend peut-être un petit peu de temps. Les murs. Les lits, c'est bidon à faire aussi. Les murs à faire. Les murs, ouais, mais les murs, franchement, t'as vu ce que t'as fait là, là, t'auras bien, ça va être bien plus facile. Hein. Mm. Et voilà, quoi. C'est ouais, ça qui est canon. Là, on fait la grosse partie qui est chiante. Une fois que ça sera fait, derrière, ça va gazer un truc de dingue. Ouais. Oh, j'aime bien quand tu parles comme ça. Mm. Allez, on les laisse, nos petits bandits. Allez. On vous laisse. Merci encore d'avoir pensé à moi pour ma fête où j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. Je vous embrasse fort. Et puis, on vous dit à samedi matin dans ce cas-là. Donc, moi, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est arrivé aux 30 000 abonnés. Ça y est, on les a passés. Ouais, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, tous les bandits, de vous abonner, d'en parler autour de vous. À chaque fois, je vous le rabâche. Mais bon, ça fonctionne. Mettez le petit pouce maintenant, comme ça, sinon, après, vous allez oublier. Voilà, ça fonctionne. On est super contents. Donc, un grand merci. Merci. Ouais, merci. Un très grand merci à vous tous. Et voilà, c'est une chaîne qui a passé les 30 000 abonnés. Et on a vraiment des abonnés qui sont réactifs, qui réagissent beaucoup sur la chaîne, sur les réseaux, et c'est ça qui est bien. C'est pas une chaîne où il y a des abonnés, mais ça stagne en fait. On a vraiment un nombre de vues qui est en adéquation avec nos abonnés. Et ça, c'est vachement bien. Voilà, et je veux que ça continue sur cette lancée-là. Une super communauté. Il ne faut quoi. Pas lâcher. Voilà, on a une communauté. Les The Vadrouilleurs Forever, c'est une communauté de dingue. Vous n'imaginez même pas, quand on regarde les chiffres qu'on a, nous, sur nos trucs perso, il y a vraiment des interactions de fou sur notre chaîne en rapport aux abonnés qu'on a. Et ça c'est cool. Voilà, allez, on vous laisse. Gros bisous. Allez, prenez soin de vous. Ciao, bonne bye soirée. Bye. À samedi pour la vidéo. Allez, ciao.